YouTube, bien le bonjour. Oui, il est l'heure de BG3. Oui. On est dans un camp ennemi avec Micheline, avec les gobelins, avec vraiment, voilà tout ça. On est pour une fois en route vers la quête principale. Ça y est, enfin. Voilà. Du coup, nous allons aller chercher le doc, bien sûr, pour retirer la larve de notre cerveau. C'est le but premier de BG3, bien sûr. On a un problème de larve dans le cerveau qui va nous transformer en flagellant mental. Bref, je vous refais pas l'histoire. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les mods... Quel est le problème? Non, attends, ça c'est quoi? Ah non, ça c'est Malenia. C'est pas Micheline. C'est pas Micheline. Micheline, où es-tu? Micheline. Voilà. C'est parti. Donc Micheline, on disait, l'aventure de Micheline, la bonne nouvelle c'est que les mods sont de retour, du coup on peut reprendre les déplacements, bien sûr, comme il l'était la dernière fois, il y avait eu un patch, du coup ce n'était pas possible, mais là on est bon, voilà. Salut Libellule, comment tu vas, quoi de beau aujourd'hui? Bonsoir, bonsoir à toutes et celles qui arrivent, bienvenue dans l'aventure BG3. Ouh, ça va être sport aujourd'hui là, je le sens. Bon, alors, on en était où? On en était dans le... Oh là là, regardez-moi. Oh, on peut regarder Micheline. Oh, elle est si proche de nous. Oh putain, le cul de l'araignée est trop proche aussi. C'est vrai que j'ai senti une araignée. J'avais oublié cette horreur, putain. Regarde, elle est si belle. Elle est si belle. Vous savez ce que j'ai pas fait? J'ai pas fait une story Insta. Vous savez quoi? Je vais faire ça vite fait, là, parce que le visage de Micheline est tellement parfait. Je me dois. Je ne peux pas ne pas le faire, finalement. Hop. Oh là là, que... Elle vous regarde. Micheline vous invite. Elle vous invite. Tu mets un S à invite. Vous êtes avec moi là, on fait la story. YouTube, vous aussi, vous faites la story. Hein. Eh oui, bah oui. Hein. On voyait un peu les aléas du direct finalement. Elle vous invite, je crois pas. Hein. Salut Raim, comment tu vas? Bien le bonsoir, bonsoir à ça, celle qui arrive. Comment allez-vous? En train de faire à manger. Oh le miam miam. Elle vous invite. Ok, pas de S, pas de S. Alors, je sais pas pourquoi je vais mettre un S. Micheline vous invite. En live. Sur BG3. Bien sûr. Quelle surprise. Quelle surprise. Sur BG3, on va faire ça. Et on va mettre la musique. La musique de BG3. Baldur's Gate, s'il te plaît. Voilà, on va mettre ça. Et on va mettre évidemment le lien de la chaîne, bien sûr, parce que ça aide. L'araignée, tu te calmes. Tu vois pas que je fais du content pour Instagram, la merde. J'ai du mal à tenir les posts Instagram de semaine. Alors bon, écoutez, j'essaye au moins de faire des stories, là. Oui, bon, on en parlera, mais... je peux pas tout faire. Twitch.tv/YunoGaming, hein, paraît-il. Le saviez-vous? YouTube, c'est pour vous aussi, hein. Parce que vous, vous êtes sur YouTube, mais si jamais vous voulez un jour passer sur Twitch, bah c'est ça qu'il faut lire. Twitch.tv/YunoGaming. Les liens sont en description, hein, techniquement. Mais bon, au cas où, on ne le dira jamais assez. Le direct, c'est sympa. Bon, des fois, vous voyez des petits aléas du direct comme ça. Genre, j'ai oublié de faire la story. Mais c'est pas grave. Ça fait aussi partie du jeu. Et puis, en attendant, vous pouvez regarder le doux regard de Micheline. Regardez comme elle vous observe. Elle est si belle. Elle est si belle. Le son de français, you know, le S, c'est toujours avec tu. Ouais, c'est ça. Toujours avec tu. Ouais, bah ouais. Mais pourquoi j'ai voulu? Je vous invite. Ouais, c'est pas. J'ai été perturbée. Mais c'est parce que la fatigue, bien sûr. Que je suis nulle en orthographe surtout. Mais la fatigue, la fatigue. Go. Voilà, on va mettre go avec des emojis flammes. Emoji flamme, emoji flamme, emoji flamme. Flamme, flame. Voilà, et on va mettre un gif de flèche. Voilà, au cas où les gens ne voient pas où cliquer. Voilà. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Voilà, flèche. Flèche. Oh là là, magnifique story. Micheline vous invite en live sur BG3. Elle est parfaite. C'est parti. Il y a de la musique, il y a tout ce qu'il faut. Bon, ça va bien se passer. De mon côté, je suis en train d'apprendre Down by the River au Kalimba également. Oh, trop beau, Faël! Incroyable! Ça doit sonner si bien. Ça doit sonner si bien. Donc, on retrouve bien évidemment. Oh, my love. My love, ça fait si longtemps. Comment tu vas? Pardon. Je suis calme. Oh là 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 là. Non, allez, ça suffit, ça suffit. On a dit qu'on était concentrés. On est en plein camp ennemi, rappelons-le. En plein camp ennemi, you know. Concentration, concentration. On va aller par là. On va aller par là. Et ok, il y a plein de gobelins partout. Il y a plein de... Bon, ils ont foutu le bordel hein, là où ils se sont installés, mais c'est ok. Oh, ça fait du bien d'avoir le mode aussi. Tiens, je vais juste faire ça là pour qu'on... Ah. Voilà, merci. Oula. Michel, ça va? Michel? Poor lad. I could give you peace, you know. But no.
You gotta keep silent, don't you? Where do they flee to, you stubborn rat? Please, stop! Ah, je comprends la reine. Désolé pour la reine. J'avoue que je suis arachnophobe moi aussi, mais elle est plus utile que mon ours. Alors écoutez, on fait tous un effort. Quoi, ici? Elle vient vraiment dire qu'il s'y prenait n'importe comment pour torturer là. Elle me fait de plus en plus peur, ma femme. Hein. Ça va pas du tout. Hein. Bon après ma femme, je m'emballe peut-être un peu. Juste, on a eu un date, on s'est embrassé. Mais enfin après ça, c'est une question d'interprétation finalement. Mais peut-être elle s'emballe un peu. Enfin, elle me fait peur de plus en plus. Hein. Déjà, la dernière fois, on a appris qu'elle faisait partie d'un culte qui aime bien la douleur, tout ça, la peine, tout ça, là. Elle me fait de plus en plus peur, là. Alors, est-ce qu'il marche aujourd'hui, les sondages? On va faire un test direct. Pourquoi le torturez-vous? C'est intéressant, tout ça. Laissez-moi le mettre sur la bonne voie. Il était de sagesse, partez tous les deux. Tromperie, allez boire un coup. Votre chef m'a demandé de prendre la relève. Vous remplace, vous y prenez comme des amateurs. Vous avez tué le prisonnier trop vite. Comment ça, je vous remplace? Ah, ça marche, ça marche. Vous pouvez voter. Nickel. Nickel. Oui, presque le mieux, c'est quand le dit en ce moment est bien accordé, ce qui n'est pas mon cas. Oh là là. Ça doit pas être évident. J'avoue que j'y connais rien du tout à cet instrument-là, mais à écouter, c'est très joli. De toute façon, la musique, c'est joli de manière générale, je pense. Hein. Et ça parle de glissade, toujours, toujours. Bon, comment ça, une araignée plus utile qu'un ours? Salut, Nounours, comment tu vas? Je te jure qu'elle fait plus d'efforts. Hein. Partez tous les deux. Oula, ah oui, un ordre direct, là. Allez, vas-y. Attends, non. Allez boire un coup, votre chef m'a demandé de prendre la relève. Oh ouais, ça peut être... Est-ce que Micheline s'est mentée? Allez, vas-y, je vous suis. Je sais pas pourquoi, je le sens pas super bien celui-là. Allez, le premier jet de la journée, on y croit. Micheline ne sait pas mentir, définitivement. Apparemment, c'est pas une très bonne menteuse. Faudra s'en rappeler à l'avenir. On construit le caractère de Micheline au fur et à mesure aussi, c'est pas notre faute. Hein. I'll believe that when I see it. Non, vas-y, on va... Ouais, partez, hein. Eh, boue! Savez-vous que j'ai une larve dans mon cerveau, là? Boue! Je suis à m'éveiller, là. Cassez-vous, là. Déblayez, là. Ça se passe mieux d'un coup, hein. Non, ils sont pas méchantes, elles sont juste maladroites. Hideuses, terrifiantes, traumatisantes, cauchemardesques. J'ai beaucoup d'adjectifs pour les araignées, mais... oui, ça doit être... Ouais, maladroite, ça doit faire partie de ça. You are loved. Comment ça, je suis aimée? Je suis aimée par qui? Sorry, mom. I didn't realize. He's all yours. De mieux en mieux. Il est à vous. Ouais, c'est just ça. Don't be too rough, maybe. Mm-hmm. Moonrise Towers might still want to take him. Mm-hmm. Il a pas l'air d'aller bien, Michel. Hein. Il a pas l'air d'aller bien. Allez, cassez-vous là. That weird priest next door sounded like he was beating something up. Ok. Oh putain, il m'a fait peur. Oh là. Et l'araignée. Non mais je suis pas assez réveillée pour ça, moi. Je suis pas assez réveillée pour ça, là. Fou. Vas-y, on va faire un effort. Allez, on fait un effort, elle est là, on s'en souvient qu'elle est là. Monsieur, bonjour, comment allez-vous? Passez une agréable journée? Please, please. Let me out. Aïe. There's no reason for this. Non mais j'ai vraiment une tête de tortionnaire, là. Bon, tu me diras, vu mon groupe, je peux pas lui en vouloir. Comment vous ont-ils capturé? Je cherche un druide du nom d'Alcine. Calmez-vous, j'ai pas l'intention de vous abandonner à votre sort. D'abord, je veux savoir où est Alcine, notre How's docteur. I don't know. Il s'est transformé en ours. Je l'ai perdu de vue. Ok. But, I lost sight of super, on cherche un ours, peut-être. Ou un homme. Ou un ours. That's all I know. Il s'est transformé. Allez, sautez, c'est ok, c'est un jeu vidéo, c'est ok. Aïe. C'est marrant, bizarrement, c'est plus simple quand il faut pas faire 20. Bizarre, hein. Chelou ce jeu quand même. Ouais. Non, mais c'est parce qu'en vrai, c'est plus technique, ça a l'air plus simple, mais c'est plus technique. Mais c'est pas grave, moi j'essaye de vous montrer un peu l'expérience, tout ça. Voilà. En même temps, qui a l'air d'aller bien dans ce jeu? C'est pas faux, j'avoue. J'avoue que tous les gens qu'on croise sont pas en bonne posture la plupart du temps. Comment vous ont-ils capturé? Calmez-vous, je n'ai pas l'intention de vous abandonner à votre sort. Déjà, comment vous ont-ils capturé? Oui. I was with a group of adventurers. We came here for an artifact. It's called. On entend encore parler de cet artefact là qu'on a trouvé la note sur un gars qui était mort au bosquet là. They ambushed us. I didn't think a pack of goblins could be so. Il a vraiment pris cher à Michel.
Un artefact, à quoi il sert? Non mais je suis vraiment en train de lui faire son meilleur interrogatoire. Le mec il est là, il en peut plus, il s'est fait torturer. Merci du renseignement, il est temps de vous libérer maintenant. Non mais d'abord, à quoi sert-il? I don't know. The boss didn't say. Aïe aïe aïe. Twitch, n'aime pas le mot gratouille. Ah, Twitch il est vénère en ce moment. It should be here somewhere. He said there was a hidden passage. Un passage secret sous le temple. Ouais ouais ouais. The place was supposed to be abandoned. Sous ce temple-là où on est nous, là? Oh! Que savez-vous d'autre au sujet de ce temple? Abrite-t-il d'autres trésors? Ouais, ouais, parce que la thune, c'est sympa quand même. Le pauvre, je fais vraiment le pire interrogatoire. Je suis horrible quand même. Hein. Le pauvre, le Neutral Good. Oui, c'est vrai, le Neutral Good! Bah, je vais l'aider, je vais l'aider. Ah! Les shackles! I don't want to die. Allez, 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 j'ai pas l'intention de t'abandonner à ton sort, t'inquiète. Thank you so much. Voilà. Crocheter la serrure, putain, je vais essayer. Soyez patient, je reviendrai. Please, hurry. Je vais demander à Astarion de faire une bonne action, vous êtes prêts? OMG, c'est des choses qui peuvent arriver, je vous jure. Astarion. No, no. Please. Non, mais je suis là pour vous aider, oui, oui, aide-le. Vas-y. Allez, crochète ça. Voilà. C'est bien Astarion. Bravo Astarion, on essaye de remonter un petit peu aussi les villes de... Parce que Astarion il est plutôt évil, hein, vraiment. On essaye quand même de lui mettre un peu de goût dans lui. Ce serait mieux. Vraiment sans aucun commentaire, tu sais. Ok. Je devrais pouvoir le faire à la grove sur ma own. Ouais. Ils ont besoin de savoir qu'ils sont en danger. Ok, oui, mais si, on lui a demandé quels sont les pouvoirs de son tenue, qu'est-ce que les gobelins voulaient. Non, mais c'est bon, ça lui a posé des questions avec Micheline, c'est bon, c'est bon. Après, Ice Casque, vraiment. Bye Michel, hein. Ok, bon, on a libéré quelqu'un. Personne n'a vu. Oh, putain, il y a des gens. Personne n'a vu en vrai. Oh là là, mince alors, le prisonnier s'est échappé. Mais mince alors, Ah, il y a des potions là-dessus. Tout va bien. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Le grâce qu'elle accorde, ok. Méfiez-vous des limites propres à la mortalité. Peut-être tentant de se laisser emporter par l'extase de la souffrance, en particulier lors d'une séance de mortification. Le risque de fracture est grand et compromet la stricte observance du culte rendu à notre Sainte Vierge des Douleurs. Quand le corps menace de lâcher, il est préférable de se flageller ou de s'arracher les ongles à l'aide de tenailles ou d'une lame de façon à s'assurer que l'Oviatar puisse se repaître éternellement de votre agonie, comme elle est en droit de le faire. Ça va, Michel? Michel? Tu te sens bien? Il se tabasse, là? Il est dans une flaque de sang, il se tabasse. Il me fait peur. Faisons un F5. Quand même, parce que... On F5, jamais assez. Ça va, vous? Non, mais parce que d'une salle à l'autre, c'est de pire en pire pour l'instant. Sympathique, tout ça. Aïe, aïe, aïe. C'est pas gratuit qu'il aime pas, c'est le mot porte. Ah, très bien. Pourquoi pas? Cet homme est un disciple de l'Oviatar, la déesse de la douleur. Oh là là, bah y'en a pour tout le monde, hein. Y'en a pour tout le monde dans ce jeu. Ouais, j'ai bien assisté pour le prisonnier, là. Ouais, hein. Que vous avez dit, hein? Waouh, ouais, c'est marrant. I live for pain and its intricacies, you see. Comment ça enfile le prisonnier? Bizarre, ça. Bizarre. Ah, Oui, bah oui. Wouldn't you agree? La douleur infligée sans but est une véritable abomination. C'est épouvantable. Qui vous en invitez? Un gobelin? Alors pourquoi vous flagellez-vous? Je pensais qu'un disciple de l'Oviatar approuverait la souffrance. Ouais, alors pourquoi? Infliger sans but est une véritable... Après, peut-être, lui, son but, c'est de se l'infliger pour ça, justement.
Mais on va lui poser la question quand même. I realize this looks strange, but I assure you, it is a most intimate form of worship. Uh-huh. You see, pain is a loving thing. But trying to explain it to these goblins has proven. Mm-hmm. La peine doit être administrée avec amour. That look in your eyes. Ouais. Something terrible has happened to you. Hein? Oh, Micheline. Oh, il perce la carapace de Micheline. Quel homme perspicace, comment pouvez-vous le savoir? Ça ne vous regarde en rien. Attends, quoi? Regarde, elle est perturbée. Comment ça? Comment c'est-il? Salut Clément, ça va bien et toi, comment tu vas? Comment pouvez-vous le voir? Because I see those same eyes when I look in the mirror. Comment ça, avec amour? Je sais pas, genre, BAM! Je m'aime! BAM! Je m'aime! Je sais pas. C'était peut-être ce qu'il essayait de faire, hein, mais... It is little wonder you subi mille tourments. Pain. Oui, c'est vrai, alors maintenant que vous le dites, toute mon équipe, elle arrête pas de faire des échecs critiques, et du coup, je le subis. Super mal. Pain. Vous êtes docteur? laissez-moi chasser votre souffrance. Comment feriez-vous une chose pareille? Pardon, j'ai pas attendu que vous votiez, excusez-moi. Through penance administered by my skilled hand. Il veut me tabasser pour que j'aille mieux. And serenity, the likes of which few experience. Alors, A promise. Alors. I'm sure you're in need of a little penance. Mais quoi? Mais bah... Oh mais vraiment, elle me fait de plus en plus flipper, Shadowhands. Finalement, peut-être je me suis engagée sur la mauvaise voie. Elle m'a vraiment dit, allez-y, une petite pénitence ne pourra pas vous faire de mal. Finalement, peut-être c'est pas plus mal qu'il y ait eu qu'un baiser entre nous, là, parce que les conséquences des suites de tout ça, peut-être... Du coup, faut que j'y aille pour l'impressionner, genre. J'y vais, hein. Micheline... Mais Shadowhands... Alors, bon. Ok, ouais, vas-y, hein. Pourquoi pas. J'ai vu votre livre, il y a certaines techniques que je meurs d'envie d'essayer. Ne me touchez pas ou vous y laisserez votre main. Non, mais si, on est obligé pour Shadowhands. Eh bien, pourquoi pas. Faut pas mourir con, finalement. Est-ce que Micheline, elle serait pas... Oh, Micheline, elle est curieuse. Après, il y a curiosité et curiosité, mais... Voilà quoi. Ouais hein. Comment ça, il y a certaines techniques que je meurs d'envie d'essayer. Non mais vous êtes dans l'excès. Allez, je vous suis. Ouais, allez-y hein. My, an eager student indeed. Those are advanced devotions. The mistress would approve. Indicate which instrument calls to you and let us put it to work. Hein? Dites-moi de quel instrument vous parlez, je ferai en sorte que votre chair lui apprenne à faire connaissance. Allez, let's go, j'arrive et Micheline part en sadomaso, vraiment exceptionnel. Salut, elle sourit, comment on va? C'est pas ce que vous croyez. Il y a un personnage qui va sortir un acolyte de la souffrance de Ernst. Micheline, c'est un amour aveugle, ça, attention. C'est vrai, Micheline. Alors, bon. Je m'en remets entièrement à vous. Je suis d'humeur chafouine. Utilisez la... Prenez la hachette et montrez-moi de quoi vous êtes capable. Je suis d'humeur chafouine. Oh, j'avais jamais été à ces dialogues-là. C'est fabuleux. Commence bien cette partie de BG3. Non, mais c'est ok. C'est ok, finalement. J'ai l'impression, à chaque fois qu'on démarre ce jeu, il se passe des dingueries. De toute façon, il n'y a rien qui va. Ça va bien, le souris. Ça va être toi, tranquillou. Salut, Lyric, comment tu vas? Bonsoir, c'est celle qui arrive. Hein. Tout moment est propice à des titres aussi mémorables que horribles. Ah bah là, ouais. Hein. Allez, je m'en remets entièrement à vous. Après tout, salut le professionnel. Hein. Oh, I do believe we are both going to enjoy this.
Ouais, j'ai hâte. Viator and I are interested in how you handle pain. Dear one. On gère la douleur. Should you delight her, you will most assuredly receive her. Si jamais vous lui faites plaisir, elle manquera pas de vous offrir sa bénédiction. Trust me. Simply face the wall and we can begin. Attends, mettez-vous contre le mur et tournez-vous. J'ai peur. Je aborde mission. And let us begin, dear one. Ah oui, mais c'est la bonne ambiance. Ah bah, Micheline, elle va découvrir des choses, là, je crois. Salut, Métia, comment tu vas? Merci de passer par un petit coucou, profite bien. Ça part en fessée, je crois. Ouais, ouais. Hein. Bon, bah, allez, hein. Micheline, vas-y. Tout le monde me regarde, c'est un peu intimidant, quand même. Hein. Oh, le bâtard. Il m'a tabasse avec une masse. Essayez de réprimer vos cris. Hurlez, suppliez, demandez pitié avec emphase. Faire un petit effort, vous frappez comme un mioche. Non mais je crois qu'il faut résister hein. Je crois qu'il faut résister genre Ok, j'ai un de constitution. Représentation, j'ai rien. Oh là là. Vas-y, faites un petit effort. Non mais on va pas le provoquer quand même. Ouais, vas-y hein. Et tape plus fort hein. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le truc c'est que les autres agissent absolument pas. Je... Oh là là. Ok, c'est bien passé. Lui il est en train de kiffer sa vie par contre. C'est un tout nouveau monde qui s'ouvre à Micheline. Mais quoi? Et Shadow, je fais ça pour toi, hein. Aïe. Wonderful. Just wonderful. S'emballe un peu, frérot. Monsieur. Non, ça me fait penser à ta plus fort, je pas ta mère. Casse-moi tout là-dedans, je pas ta mère. Vas-y, vous avez l'air fatigué, vous voulez que je prenne le relais? Micheline, elle résiste là! Non mais oh! Voilà Micheline! Wonderful. Et Zacharia, comment ça? Bonjour! I'll give it to you! My! Who knew our friend had so much blood in them? Ouais, bah range. Non mais les deux, ils ont des. Aïe! Oh putain! That's it! Welcome the pain! Welcome the pain! Ouais, aïe, hein! Aïe, vous m'avez fait trop mal! Non! Non, mais en vrai, par contre, mettons. Regardez Micheline, elle est soumise, mais genre. Là, vraiment, Micheline, elle est en pleine! Alors bon, je sais que je suis probablement tombée sur l'amour de ma vie, mais j'ai quand même découvert. Que déjà, elle fait partie d'un culte qui voue la douleur, la peine, la souffrance et qui ruine la peur. Maintenant, elle a l'air d'aussi connaître une technique de torture, apparemment, parce qu'elle disait qu'ils s'y prenaient comme des amateurs. Et maintenant, elle estime que j'ai besoin d'une pénitence physique, peut-être, pour aller mieux. Je sais pas où je m'engage, mais j'ai l'impression que peut-être je suis sur un chemin de relation toxique un petit peu, là. Et puis j'ai mal au cul, merde! Pauvre Micheline. Pauvre Micheline. Les ailes qui réagissent zéro. Ouais, bah en même temps, les ailes, hein. Chaotique, neutral, moi j'avoue. Oupsie, comment ça va? Micheline découvre que son crush a quelques problèmes. Ouais, hein, vas-y, hein. Frappez le plus fort possible ou je vous rendrai l'appareil. Vas-y, Micheline. Provoque-le. Voilà, Micheline, provoque-le. I hope that's a promise. Ah, donc le Michel, là, actuellement, il est motivé, il va me trapper. Attention, la tatane. Oh, la tatane pour Micheline. Oh. Peut-être un peu court pour le commentaire. With every sting of my scourge.
Mm-hmm. I am proud to have served you this penance. C'est pour Shadowheart, c'est pour Shadowheart. C'est super. Merci, j'ai passé un moment très agréable. C'était une expérience intéressante. Vous auriez dû frapper beaucoup plus fort. Micheline Mazot, qui apprend vraiment que finalement elle possède, elle a exploré de nouvelles parties d'elle-même, Micheline, aujourd'hui. On sait désormais qu'elle aime la douleur. Non mais vous avez... Non mais quand même, Oh là là. Dis pas ça, il a demandé à ce que tu te tabasses juste après, j'avoue, putain, imagine. Non mais moi j'aurais quand même dit, je pense que Micheline elle serait plus à dire c'était intéressant. Mais je suis pas sûre qu'à sa tête elle est très hâte de recommencer, vous voyez. Genre c'est le genre d'expérience qu'on vit peut-être une fois dans sa vie, voire une demi-fois. Genre vite fait, pour vite fait. Mais chacun, voilà, hein, c'est no judgment, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais la masse là, c'est un peu douloureux quand même. Après, voilà, hein. Il y a des gens, voilà, ça, c'est mais chacun ses délires, hein. Micheline, elle découvre, là, elle a découvert, hein. Ça y est, dû frapper plus tard, vous restez sur votre tête, hein. Ok, très bien. Micheline, on peut cocher une nouvelle phase, une nouvelle cage vraiment sur la personnalité de Micheline. Micheline et Mazo, voilà. Elle aime la douleur, faites du mal à Micheline et vous la rendrez heureuse. C'est une décision du chat, bravo à tous. You're starting to sound like the goddess herself, dear one. Lovita herself found your performance inspiring. She has deemed you worthy of her blessing. Oh putain. Vas-y, envoie la bénédiction là. Ouh. C'est super. And on a personal note, thank you. Mm-hmm. That was positively divine. Mais bah écoute, franchement, je trouve que pour un gars qui... Oh. Il s'est soigné, lui, et moi. Ne me... Un quoi? Qu'est-ce que... On n'avait pas assez de cran. Je pense qu'elle y serait allée, Shadow. Attends, j'éternue, je te dis merci. Je vais éternuer, je te jure, je vais éternuer. Peut-être pas alors. Ah si, putain. Merci beaucoup, Yami, pour le 12e mois, les 1 an, let's go. Oh là là, il y a des 1 an ce soir, c'est beau, incroyable. Comment tu vas, Yami? Comment allez-vous, les Michel? Ça va bien, et toi? 1 an de sub, merci beaucoup pour ton soutien, merci énormément. Merci, merci. Le live commence de manière fort particulière. Ah ben là, voilà. Hein. Quelque chose à dire là-dessus, là? Ouais. Ouais, bah écoute, ouais, ça t'a fait sourire, my love, ma foi. Est-ce que je peux voler cette potion? Attends, mais il va vraiment fouetter le... Attends, quoi? Il va taper le gobelin? Attends, je veux voir ça, pitié. Il tapasse le gobelin. Bon, Micheline, on va quand même prendre des pots pour aller. Ça suffit, les conneries, ça suffit. Shadow, c'est comment jouer? Ah bah là, c'est pour elle que j'ai fait ça, moi. Elle a dit, ça vous ferait pas de mal, une petite pénitence. Je pense qu'elle essaye de me faire passer un message. Moi, je pensais que j'avais cru apercevoir de la douceur en elle, mais depuis deux lives, là, je découvre une part sombre, mais tellement sombre, je n'en soupçonnais pas l'existence, quoi. Oh! Oh là! Comment il va, lui? Michel? Ça va, Michel? Ah, Michel? Ah, bon, bonjour! Ah bah oui! Il s'était fait enlever par la gobeline. Ok, tu te calmes. Ah! Qu'avez-vous l'intention de faire avec lui? Keep him safe. Listen to him coo. Till I get hungry or some such. Volo, elle va vous bouffer! Ma chère Shadow, son autre Micheline t'aime bien, mais je pense qu'un conseiller conjugal ne savait pas trop. Bah, il va falloir peut-être faire quelques concessions, quoi.
J'ai admiré, c'est tout. J'aimerais juste en avoir un comme ça, moi aussi. J'ai décidé de savoir une si belle. Ouais, vas-y, j'en veux un, moi aussi. Hein. Bichette, il est dans une cage. Non, mais faut remonter le good là, parce que. Ah merde! Ah, et attends, et oh, je viens de me faire fouetter le cul là. Écoute-moi bien là. Là, maintenant, c'est à mon tour de montrer que je peux dominer là. Hop, hop, hop! Assez parlé, ouvrez la cage, vous le regretterez. Il a l'air faible, malade même, il ne survivra pas longtemps dans les conditions particulières. Pareil, vas-y, ouais, non, on va faire ça plutôt. Oh, il a vraiment pas l'air bien, hein. Il fait la gueule votre truc là. Hein. Vous êtes sûr de vouloir le garder? C'est passé. Et comme ça, Shadow saura comment pimenter les finitions de nuit en compagnie de Micheline. Ah bah là. Écoutez, Micheline, hein? No, tell him what they'll do to him. Bring him back when he's all tuckered out. Oui, je vais faire ça, oui, oui. Pigeons all yours. On a fait une bonne action. On a une clé. Vas-y, attends, ferme la porte, là. Ferme la porte, vas-y. On va libérer quelqu'un. Attends, on a libéré une personne qui était torturée, et maintenant on libère une autre personne qui est en cage. Micheline, bon, on s'est aussi fait fouetter le cul. Oui, d'accord, mais on progresse, d'accord. Aïe. Je vous garantis que le récit de mon sauvetage et de l'heurisme dont vous avez fait preuve transmettra de génération en génération. Oui, oui. C'est l'ultré ne m'intéressant rien, allez vous mettre en lieu sûr vite. Vous savez ce qui se transmet aussi d'une génération en génération? L'or, vous avez une dette envers moi? Content que de vous ai prendre. Non, mais allez vous mettre en lieu sûr en vrai. Hein. C'est l'ultré ne m'intéresse en rien. Oh là là, Micheline, c'est une héroïne de l'ombre. Hein. Allez vous mettre en lieu sûr, bougez votre cucu là, on s'en fiche, non? Ça m'intéresse en rien, ça m'intéresse en rien. Un anonymous account of your heroism then. None will know your name, yet your doings. Non, Micheline n'est pas en Dark Urge. Volothemp Geddar. C'est vrai que j'ai pas refait le petit disclaimer, mais je connais le jeu. Mais on fait une run où on découvre totalement, bien évidemment, en prenant les décisions comme Micheline, du coup, prendrait les décisions. Parce que c'est la première run que je fais en stream. Du coup, voilà. Pas de spoil, pas de backseat, tout ça. Bien sûr. Accepteriez-vous qu'on se revoie une fois qu'on aura échappé au gobelin? Ok, vous êtes mis dans le beau drap, comment vous ont-ils capturé? Mais je crois que lui, il a dit qu'il y allait au camp des gobelins, donc il s'est probablement fait choper comme ça, hein. Ouais, allez-y, on parlera là-bas. Tu sais quoi, là, c'est pas le moment de taper la discute, frère. Genre, vraiment, il y a des ennemis partout, juste casse-toi. Juste à un moment, faut être... Voilà. Ouais, casse-toi. Il parle trop. Il parle beaucoup trop. Vas-y, fais. Apéro? Ah oui, c'est pas mal ça pour se barrer, j'avoue. Ah, j'avoue, c'est... Non, si, c'est validé. C'est validé. Bon, où vais-je? Bon, on va continuer par là, du coup, hein. J'ai peur de ce que je fais, de ce que je vis, de ce que je vois, de... Que voulez-vous? Oh! Parle de bouffer, tu crois que le nain est fini? Je commence à avoir la dalle. Non, mais qu'est-ce qu'il faut... Attends, je peux parler au rat, peut-être. Peut-être le rat, il pourra me dire s'il a vu un ours. Foul stench of slaughter turns suddenly sweet through the rat's nose. Blood smell, life smell. Not like the great hollow below, which smells only of death. D'accord, mais pourquoi il me parle pas? Those eyes. Vous parlez? Watch your step down by the pens. Woggy's been getting fat on your kind lately. Oh là 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 là. Ok, bon. Heading to see our new pet. It didn't seem easy, I'll give it that. Ok. What are they delaying for? Bon, can't we just go aller là? Bon, soyons tous prêts. Soyons tous ready. Ça se passe bien. Ouh, il y a une petite potion de guérison là. Il y a personne dans le coin là. Ça c'est Astarion, casse-toi. Ouh. Petit parchemin, ok. Il y a personne dans le coin, c'est pas vraiment du vol. Hein. Je vous rappelle qu'on est dans un camp de gobelins. Hein. Donc voilà. Hein. Commencez pas à me dire neutral good, mon cul. Non. Là, on est chez les méchants, donc on peut voler tout ce qu'on veut. Hein. Non, hein. Voilà, hein. Bon, où allons-nous? Bonjour. Ah, bah, c'est encourageant tout ça, hein. Venez voir l'ours, laissez-vous guider à l'oreille. Oh! Ok!
Ils ont un ours, les Michel. Le gars, il a dit qu'on cherchait peut-être un ours. T'es un ours, toi. Non, toi, t'es pas un ours. Toi, t'es une saloperie, toi. Toi, t'es une saloperie. Vas-y, Micheline, cherche. Salut Sigma, comment tu vas? Petite neutrale, neutral goon, c'était presque tout à l'heure. Oui, presque, presque. Stop them. Free me. Ouais, on a les... Il faut qu'on aille rechercher Carlac d'ailleurs, c'est vrai ça. J'avais changé un peu la dernière fois parce que j'avais beaucoup... J'essaie de me balader avec tout le monde en fait. Mais c'est vrai que je préfère me balader avec Carlac. Elle tape pas mal aussi là. C'est vrai que ça pourrait être pas mal, on est en plein camp ennemi là. Après, les ailes, elle est efficace aussi hein. J'ai pour les divisionnages de Grimm 5, j'ai pour les level up Auréa, Libellule, Astérix, Marc, Angèle, Ravencrow, Natsu et Noélix. Merci pour votre présence, merci. J'adore quand il vient de lui lancer des cailloux, ça. Qu'est-ce que vous fabriquez? Les sans défense, laissez-le partir. Des pierres plus tranchantes auraient plus de chances de le blesser. Non. Good, Micheline. Très très good, là. En plus, on est rôdeurs, les animaux, tu fais pas de mal aux animaux, là. Laissez-le partir. J'en ai rien à foutre! Vous le laissez partir! Hey Titia, ça va et toi? Mais non! Il va pas bien ce mini gobelin là, ça va pas du tout hein! Oh, putain, je peux pas obliger! Ah! C'est pas grave! C'est pas grave! Tu nerfs bon sang et bornez-moi cet animal. Non mais ça suffit. Arrêtez, stop. Impose-toi, Micheline. Release me. Oh, oh. Oh. Il parle. Abandonnez-nous, ça la merci des gobelins. Oh. Vas-y, on y va. On y va. On les défonce. Oh là, il est vénère. Vas-y, montre-le. Ah! Eh ben, let's go! Ah, faut toujours avoir des chips, ça le pique toujours. Hein. Oh putain! Ah, bah oui, forcément. Alors, Micheline. Oh, c'est reparti pour du fight là! Oh, ça m'émeut un petit peu, ça faisait un petit moment. Je propose, Micheline, va tabasser le sale gosse là. Ah non, ça me provoque. Bah tabasse celui-là là. That won't work. Elle a raté la première attaque. La première attaque. Ouh, il y a du monde là-bas. Ok, vas-y, Astarion. Toi, tu vas te mettre là. On va pouvoir s'accroupir. Que ce soit lui. Il a raté. Non, mais... C'est le premier fight, les gars. Faut faire un effort. C'est le premier fight du jour. S'il vous plaît, vous pouvez pas rater toutes vos attaques là, s'il vous plaît. Je vais rester calme. Tiens, l'araignée, va manger ce truc là. Non, trop loin. Ce truc là, trop loin. Oh, mais il y a des trucs partout. Vas-y, saute. Oh, je j'ai pas les mots. Ok, l'araignée, c'est ton moment là. Tabasse-le. Ok, elle a touché. Il a pas pris le poison, mais elle a touché quand même. Comment ça va prévenir les autres? Non. Tu vas dire tout le camp là? Ah non. Tuez l'enfant! Tuez-le vite! Vite! Aveugle-le, le piaf. Le piaf, fais un effort. Je sais que tu fais rarement des efforts, le piaf DIY, mais s'il te plaît là vraiment, aveugle-moi cette merde. Aveugle-le. Voilà! Un peu d'efficacité, c'est pas trop demandé quand même. Combat d'échauffement, c'est terrible. Il n'a pas eu besoin de nous pour casser sa cage, c'est vrai. Mais peut-être il se serait fait. Ok, les ailes. Il y a une araignée qui n'est pas avec moi. Il faut éliminer cette merde tout de suite parce que je peux tolérer la mienne. Elle a bougé. Elle a raté. Ils ont tous raté leur premier attaque. Tu es l'enfant neutral, goût tranquille. Mais c'est un gobelin. Bon, les ailes, fais un deuxième effort s'il te plaît. Merci les ailes. Oh là là. Bon. Ok.
Ah non, il n'y a pas eu d'effort de la part de l'équipe, là, vraiment. Est-ce qu'on est étonné? Pas vraiment non plus, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'il lance sur moi, là? Ah, putain, l'enfoiré. Ok, Shadow Horse. Ma crush pleine de surprises, décidément. Alors, c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est la fight. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas. Alors, si je me déplace... Ok, vas-y, on va sauter pour pas être dans la graisse, là. Sinon, elle va glisser, cette counasse. Je le sens. Crame-le! Voilà, voilà. Enfin, une qui fait un effort. Voilà, et laquelle c'est? Bah, évidemment, évidemment. Évidemment, évidemment, évidemment. Moi, je l'adore. Bon, ok, faut tuer l'enfant, maintenant. Hop, tiens. Tue-le. Micheline, s'il te plaît. Voilà, voilà, un coup critique, ça c'est oui, Micheline, ça on prend direct, on prend sol. Ah, il y a, ok, vas-y, je suis visible, mais là si je me mets là et que je m'accroupis, je suis visible, je le défonce. Ok, c'est bien, let's go. Bah c'est tout, non attends, je peux foncer encore. Ah ouais, mais je peux foncer, mais j'aurais plus d'action dans tous les cas. Bon, alors ça vaut pas le coup, il faut vraiment une deuxième arbalète là, 2 points, comment va Pretty? L'araignée. Eux ils sont dans leur cage de toute façon, ils sont ok. L'araignée, tiens vas-y, entoile-le. Comme ça il peut pas bouger. Le piaf, aveugle. Aveugle-le. Oh là là, mais il est en forme aujourd'hui le piaf. Il a jamais été aussi efficace. Oh putain, il casse la porte. Ok, va quand même falloir les buter je pense, parce qu'il casse la porte, les cons. Vas-y les ailes. Ah, c'est trop loin. Et bah, tant pis, tire dessus. C'est un critique, c'est oui, les gels. Let's go! Dum dum dum! Dum dum dum! T'as envie quelque chose de nouveau du stream pour faire dans Shadow Heart? Qu'est-ce qu'on a appris, le chat? On a appris des choses nouvelles sur Micheline. Oh no! Ok, vas-y, c'est pas grave. On a appris des choses nouvelles sur Micheline parce que, voilà. On s'est retrouvé dans une position assez étrange et plus ou moins non confortable, mais tout de même, voilà. Astarion! Il fait pas d'effort. C'est l'araignée qui va devoir faire tout le travail. Voilà. C'est bien l'araignée. Elle fait peur mais elle est là. C'est tout? Non, il y a plus que les... Ah bah il y a plus que ceux qui sont enfermés. Du coup ça veut dire qu'à un moment donné ça va... Ouais. Ils vont forcément sortir quoi. Oh oh. Oh oh. Bah on va tous se remettre là-bas. Hein. Les ailes, vas-y. Préparation là, on se prépare. Tiens, prends un peu de force, tiens, comme ça tu feras plus chaud. On a appris... oui, on a appris qu'elle s'y connaissait en torture, c'est vrai. Mm-hmm. Avant même d'apprendre que... Ouais, ouais. Ah, ça y est, je vois qu'on peut autoriser des messages. Mais bon, peut-être pas, parce que... Ouais. Bon, je... Mais oui, oui. La torture de guerre, elle s'y connaissait. Et après, quand on est arrivé à côté où il y avait un gars qui se fouettait le cucu... Au nom d'une déesse de la souffrance, nous avons appris. Elle nous a proposé. Enfin, le gars nous a proposé une pénitence, puisqu'il a vu la souffrance en nous. Donc, il a proposé d'enlever la souffrance en nous, en nous tapant bien fort avec son fouet. Et Shadow Horse a dit vous devriez essayer. Voilà. Donc, je pense qu'elle a essayé de nous faire passer un message. Je suis pas trop sûre encore. Voilà. Mais c'est arrivé. Et donc Micheline s'est fait fouetter le cul, voilà. Explication claire et précise finalement. Micheline s'est fait fouetter le cucu, voilà. Allez Micheline, en parlant de nous, merde j'aurais peut-être... Bah non. Pourquoi je suis aussi haute là? Eh bah c'est mort, Micheline pourra pas jouer. Vas-y Astarion. Let's go. On peut à travers là, toi aussi t'as du feu en plus. Crame-le là. Ok, nice, ça crame. L'araignée là.
soit entoilés à la limite, comme ça ils pourront pas bouger au cas où, même si la porte s'ouvre. Le piaf, tu sers à rien. Je peux pas bouger. Ah, oh putain, il a bougé le con. Oh non, c'est bon. Oh putain. Ok, ok. Les ailes. Elle est cassée la porte ou pas? Elle est cassée. On dirait qu'elle est cassée, mais elle est plus là. Elle est là, mais elle est plus là. Ok, vas-y, tabasse les ailes. Je crois que la porte est cassée, mais ça compte pas. Oh, le level up. Oh oui. Oui, oui, oui. Enlever la souffrance avec de la souffrance, chercher l'erreur. Ouh, résumé à ne pas sortir du contexte, c'est vrai. Effectivement. Il va où, l'ours, là? T'as pas été utile du tout, frérot. Crame-le! Ah, bon. Eh ben, recule. C'est fou, ça. Micheline! Micheline! Vas-y, saute, Micheline. Montre-leur. Montre-leur à tous, là. Tu as appris tellement de choses. Tu es une femme différente, Micheline. Tu es une femme qui ne fait plus d'échecs critiques, maintenant. C'est grâce à la... Parce que du coup, attendez, j'ai même pas regardé, mais du coup, oui, j'ai l'amour de l'Oviatar. État, la douleur est la voie de la clarté d'esprit. Quand il vous reste 30% de votre maximum de points de vie ou moins, vous bénéficiez d'un bonus de plus 2 au jet d'attaque et au jet de sauvegarde basé sur la sagesse pendant 3 tours. 3 tours. Voyez-vous. Ouais, le dino a évolué, c'est terrible, évolué. Excellent. Je sais pas ce qu'ils ont fait, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Pourquoi tout le monde a level up sauf ma femme ? Future femme, c'est vrai que je m'emballe un peu, mais pourquoi ? Allô, Shadowheart, où est ton level up ? Ok, il lui faut 60 points d'XP. Oh ! Oh ! Bonjour ! Bah évidemment, bah bien sûr. C'est une première rencontre et on vient de se casser la gueule vraiment en glissant comme une merde. Bonjour. Pardon the viscera. One should cherish all of nature's bounty, but oh là là, waouh, monsieur, bonjour. Hein. Quite far down the list. Oh, c'est une armoire. Not only do you speak with a bear, but you free it too. A true friend of nature. Bah oui, j'aime bien les animaux moi. Mais évidemment. I owe thanks. I am the druid Halsin. Ah! Enfin! Eh, regardez, quand je vous avais dit qu'on avançait sur la quête principale. Après combien d'heures de jeu, Micheline? Attends, je fais un petit F5 juste pour vérifier cette information. Hein. Juste pour ça. Voilà, 20 heures de jeu! Ça y est. On a trouvé un truc. Ravi d'avoir pu me rendre utile. Vous êtes Halsin, le maître Halsin du bosquet d'Ameraude. Est-il m'a dit que vous pourriez m'aider à me débarrasser du parasite que j'ai dans la tête? Ouais, bah je pense qu'en vrai, faut pas passer par quatre chemins. Hein. J'ai entendu dire que vous étiez un soigneur d'exception, j'ai besoin de votre aide. Ah, ça peut être pas mal ça aussi. Comme ça, on le brosse dans le sens du poil. Sans mauvais jeu de mots, parce que c'est un ours et que quand il est en ours, il a des poils. Je vais boire un coup, moi. Hein. J'ai pour level up Killer Frost Eye, merci beaucoup pour votre présence. J'ai besoin de votre aide. Not the most opportune moment, but oui, 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 non, mais je m'en fous, tu dois m'aider là. Enlève cette merde de mon cerveau là. Come on then, what's the problem? Unless you'd rather wait for an audience of goblins. Non, putain, les bibi. Oh, oh les bibi. Qu'est-ce qu'il fait? Oak Father preserve you, child. Ah. You're infected, aren't you? Bah oui. Il est bien là mon problème. But something's different. Ouais. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the absolute like the true souls do. Non. How is this possible? Je sais pas, j'ai réussi à m'enfuir d'un vaisseau utile après avoir été infecté. Peut-être que le processus a été interrompu. Je crois bien que c'était... On a cru comprendre que c'était grâce à l'artefact, hein. Quand on est arrivé dans le code gobelin, on s'est tous retrouvés par terre et tout, et l'artefact il est sorti de sa poche, c'est là qu'elle nous a balancé qu'elle faisait partie du truc de char, machin. Donc on peut lui dire en vrai, c'est l'artefact. Hmm. That looks very alien. As alien as the Mind Flayers. They do not belong on this world. You weren't speaking lightly when you said you needed help. Bah non, non. Let me tell you what I know. I've been studying these parasites for a while. Franchement, Ever mal à taille des bibis. These so-called true souls are infected with them. Someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to
exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. I didn't find what I came here for, a way to remove the tadpoles. But I found the next best thing. I found out where they come from. That must be where these enchantments are placed on them. And it's where you'll find your cure. Tu vas pas nous aider du coup, tu veux pas, tu veux... D'accord, dites-moi ce que vous avez découvert sur la prolongance de ces larves. N'est-ce pas la même magie qui permet aux flagellants manteaux de se reproduire? Alors tout ça n'aura servi à rien. Ce sont vos recherches qui vous ont appris tout ça. Bah dites-moi tout en vrai, il nous faut plus d'infos possible je pense hein. Punaise. Salut Kinudrao, comment tu vas? I overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers. Innocents go in, true souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. Vous avez l'air bien renseigné, dites-moi, accepteriez-vous de m'accompagner à Haute Lune? Bah oui, bah ce serait super ça! Des parasites altérés, impossible remède autour de Haute Lune, voilà des suppositions pour le moins incertaines. J'ai au moins quoi faire à présent, putain, non mais au secours. En vrai, on prend le tas de muscles avec nous, non? Franchement, on a... Franchement, vas-y, venez, viens bro. Salut Mister Lionel, comment va? Ouais, hein. Ça va sur BG3 toujours, hein? Venez donc vous poser pour tous ceux et celles qui nous rejoignent. On avance enfin sur la quête principale, je vous jure, c'est vrai. Ah! Oula! Le sang doit couler! Ok. If you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. Oh! I cannot allow these butchers to threaten my grove. Ah bah oui, ils vont attaquer le bosquet, c'est chez lui, c'est normal. C'est normal, ok. D'accord, comment puis-je me rendre utile? Regardez autour de vous, il n'y a plus d'ordre nulle part, rien que le chaos. Kaga est morte, elle était tombée sur la coupe des druides de l'ombre, je n'ai pas eu le choix. Oui, non mais après ça c'est une petite information, ça c'est vrai. Salut Iris, comment tu vas? Quoi de beau? Comme ça on remplace Gale. Pauvre Gale, comment puis-je me rendre utile? Allez, Neutral Good, Micheline. Neutral Good, d'abord comme... Il apprendra bien assez tôt. Neutral Good. My thanks. Help me eliminate the Drow Minthara, the Hobgoblin Draw Ragslin, and that perversion of a priestess. Okay. They are the ones holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself. Okay. Faut les tuer quoi. Avoir un druide capable de se transformer en ours à mes côtés devrait grandement simplifier les choses. Je m'en charge, allez vous mettre en lieu sûr. Le bosquet n'est pas mon problème, je dois me concentrer sur mon propre salut. Vous m'en demandez trop, je ne peux pas vous aider. Flemme. Non mais attends, il a peut-être la solution à notre problème là, il a l'air d'être bien renseigné. Puis Neutral Good. Le bosquet, il y a... Faut pas oublier que Micheline c'est une tiefline. Au bosquet il y a des tieflins, si on peut les aider, on les aide. C'est la famille. Vous rappelez qu'on a quand même... On a quand même dégommé... Oui, bon, les tieflins sont pas forcément à la base très, très famille. Mais Micheline, elle a ça dans le sang, d'accord? Elle défendra les tieflins toute sa vie. C'est les siens, d'accord? C'est son peuple. Donc, on avait même défoncé trois ogres pour ça, parce qu'ils avaient mangelé une tiefline. Donc, on les défend. Alors, par contre, c'est vrai qu'avoir un druide capable de se transformer en ours à mes côtés devrait... Ouais, venez avec nous. Ah, ça approuve, on regarde, approuve. I can only restrain my bear form so much. Ah! I won't be able to help but attack goblins. If I join you, we'll likely have to slaughter this entire place. You may want to use discretion when approaching the goblin leaders. Oh! S'il vient avec nous, y a pas de discrétion possible. On va se mettre tout le camp à dos parce qu'il peut pas se contrôler en ours, du coup il va forcément attaquer les gobelins. Donc soit on l'amène quand même avec nous et on dégomme toute la terre entière. Sachant que vous avez vu, il y a beaucoup de monde. Soit on le laisse là et on essaye d'aller faire le boulot de manière plus discrète. Je vais vous laisser choisir. Une fois comme on a pas ça et finalement demain soir, je comprends comment je vais pouvoir vivre sans pendant une journée. Oh, comment est-ce possible? L'apéro. Putain, d'ailleurs, j'ai une petite binouze là. Oh,
Non, mais quand même. Oh, je pourrais, hein. Je pourrais, hein. Venez avec moi, attendez. Putain, vous voulez qu'on se... Vous avez vu le monde qu'il y a? Oh là, et vous savez quoi? Je vous laisse voter, mais vu ce que vous êtes en train de voter, je vais aller me chercher une bière, hein. Va nous falloir de la concentration, là. J'arrive. Ok, mode berserker quoi. La discrète quoi? Qu'est-ce que c'est ça? La discrète, on connaît pas nous. On connaît pas. Vous voulez de la baston vous? C'est la discrétion, ça va, ça vient. Eh bien, santé, mes chers Michel. La petite pécheresse est avec nous ce soir. Moi, je trouve qu'elle est dans le thème, hein, vu ce début de run, mais c'est ok. On est là, hein, avec Michel qui glisse tout le temps, surtout, la discrétion, c'est pas possible. C'est pas faux. Eh bien, venez avec moi. So be it. May Sylvanas lend us nature's fury. Bah, il a intérêt d'être fort, lui, hein. Par contre, oula. Oh, waouh, oui, oui, c'est impressionnant, monsieur. C'est très impressionnant. Par contre, attendez, tout le monde peut level up, sauf Shadowheart, là, madame. Est-ce qu'on ferait pas... Non, mais par contre, attendez, parce que là, on va bagarrer, là. Faisons un truc rapidement, là. Ah. Ennemis to kill. Ah! Ah, je peux pas aller au camp! Oh, je voulais aller chercher Carlac! Oh, attendez, est-ce que je peux lui dire que je reviens? Est-ce que je peux lui dire que je reviens? Attends, frère, deux secondes! Deux secondes! Je vous attendrai, oui, oui, oui! Oui, 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 non, mais t'inquiète pas, je vais vraiment juste chercher. Je veux Carlac! Donnez-le à moi! Je voudrais aller chercher, alors Volo Flemme, vraiment là il y a urgence là, on doit se bagarrer. Elle est où? Carlac! Elle est là-bas. Venez avec moi, venez donc avec moi, venez vous battre. Soldier. Viens, 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 il est temps d'y aller. Looks like your troops all trooped up. You'll need to send someone packing. Oui, 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 t'inquiète, t'inquiète, regarde, vous allez prendre la place de les ailes. Au revoir les ailes. Allez, let's go. Ok, bon. Carlac aussi va level up, du coup. Faut que j'enlève, je crois, Shadowheart et que je la remette pour qu'elle se skill sur mon niveau. Oh, va falloir que j'enlève une... Oh, mais non, ça pète la peine. Oh non, Gale, j'ai pas envie de te parler. Hein. On prend pas Gale, on est tous d'accord pour pas prendre Gale. Je suis méchante avec Gale, le pauvre. Il essaye, hein. Attendez, Shadowheart, il faut que deux secondes, vous partiez. Yeah. Oh. Oh non, mais c'est pour que tu reprennes mon niveau. C'est, regarde, c'est... Il serait mieux de faire route séparément pour le moment. Oh non, non, je veux pas. Mais c'est juste pour que tu... Bif. Pour que tu... Reviens, reviens, bébou, reviens. Reviens, prends ton level avec moi. Oui, 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 viens. Some company wouldn't hurt on the road. Oui, 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 hein. If there's trouble. Mais bon, Kate, de fou. Voilà, c'est bon, on a tous possibilité de level up. Ça va nous faire du bien. On level up et on part castagner la terre entière, hein. C'est parti. Allez, Micheline. C'est quoi ça? Pauvre Gail. Aïe, 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 si tu peux te dire rien. Ouais, ouais, heureusement que je pouvais aller faire un petit aller-retour au camp, hein. On est rôdeur niveau 5, là, let's go, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Attaque supplémentaire. Oh oui! Oui! Micheline, elle va taper deux fois plus! Elle va faire deux fois plus d'échecs critiques! Let's go! Aptitude de sous-classe. Lien avec le compagnon. Le lien qui vous unit à votre compagnon animal se renforce. Du coup, votre bonus de maîtrise vient s'ajouter à sa classe d'armure et ses jets de dégâts. Du coup, mes bouettes, elles vont level up, quoi, en gros. Ok. Sort, qu'est-ce qu'on va prendre?
On va peut-être prendre un... Je crois que j'ai déjà un truc de soin. Je sais plus ce que j'ai, moi. Qu'est-ce que j'ai dans mes sorts? Attends, qu'est-ce que j'ai? Ouais, non, moi, j'ai ça. Ok. Passage sans trace. Les épines, ok. Je peux bannir un animal. Mm-hmm. Marque du chasseur, ça peut être pas mal, ça, en vrai. Ça, c'est assez chouette, quand même. Parce que ça me permet, globalement... En gros, je mets une marque sur une créature et ça me permet de lui faire 1 à 6 de dégâts supplémentaires quand je le frappe après. Donc, généralement, on met ça, puis après, je tabasse et comme ça, je fais plus de dégâts que prévu. Tiflin de la lignée d'Asmodée, du coup, j'ai des ténèbres, bien sûr. Créer un nuage de ténèbres magiques qui génère une zone de visibilité nulle. Ok, aveugle les créatures, ça peut être pas mal. Et pour le reste, on va pas toucher en vrai, on va garder. Let's go. J'ai pour le level up des Lulu et Akiza, merci pour votre présence, merci. Oui, tout le monde ce soir. Quelle idée. Une pizza. Roblard. Ah, esquive instinctive. Réflexe hors du commun, une meilleure protection. Une attaque vous touche, vous ne subissez que la moitié des dégâts normaux. Vas-y, Astarion. Astarion, il va tanker un peu plus. On prend. Ah, Carlac. Viens avec moi. Elle m'a manqué. This girl is on fire. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle a appris? Une attaque supplémentaire. Oh, oui. Oui, votre vitesse de déplacement augmente de 3 mètres. Oui. Oui. Et elle a appris l'aigle d'Avernus, châtiment révélateur. Oui. Oui, Carlac, let's go. On est prêt. On va leur rouler dessus. On va vraiment s'attaquer à tout le camp de gobelins. Là. J'espère que vous êtes content de votre décision. ok. Destruction des morts vivants. Lorsque vous réussissez à repousser un mort vivant, ce dernier subit également 2 avec 24 points de dégâts radiants. Ah oui, 24 points, c'est pas mal ça quand même. Ok. Préparer les sorts. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a lueur d'espoir, on va prendre les gardiens, oui. Les gardiens, c'est incroyable. Ça va nous permettre d'avoir des gardiens autour de nous. Ce qui fait que les ennemis se rapprochent d'elles, ils vont prendre des dégâts. C'est des dégâts de zone, c'est très très chouette. Et ensuite, on va prendre mot de guérison de groupe. À la place de ça, je pense. Une créature peut conférer une résistance. Ouais, ça, on s'en fout. On va prendre de la vie, hein, parce qu'il faut qu'elle me soigne, Shadow Hearts, pour le coup. Parce que je n'ai rien. Et retour à la vie, on a des parchemins pour l'instant, donc on va pas le mettre. Si on commence à manquer de parchemins, ça me permet de remonter quelqu'un qui est mort à la vie, évidemment. Je pense que c'est assez clair là-dessus. On va garder ça, et comme ça maintenant on a un mot de guérison de groupe, je vais pouvoir soigner le groupe. Et ça on va le garder, ça va me mettre des points de vie en plus. Ouais. On est parti. Et tu sais ce que je préfère, les beurs salés. Oh là là, incroyable. Carlac, qu'est-ce que tu veux? Let's move. Ce n'est pas le moment, Carlac. So, hey, we've got this soul coin, right? Ouais. Thing is, I think I can use it. Possible. My engine can, anyway. Une pièce infernale, ok. Zaryl used to top me up every now and again when she wanted me to go after an especially wicked target. Ok. Vous n'avez pas peur que votre engin se surcharge? Vous avez une fente pour glisser des pièces dans la machine qui vous sert de cœur. Sauf que chaque pièce spirituelle contient véritablement l'âme de quelqu'un. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de s'en servir. Voyons ce que ça donne. Essayez-en une. Me rêver d'invocation écrevisse pour notre mijouine nationale. Bah, ouais, j'avoue, faudrait pas qu'elle explose non plus, non? Vous n'avez pas peur que votre engin surcharge? Oh, tu m'as manqué! Tellement plus sympa que les ailes, là. Ouais? Sort of. Next time we find ourselves toe to toe with something we want to squash. Ok, bah ça tombe bien, on a plein de bestioles à éclater. Ça tombe bien, ok. Prochaine fois qu'on va se battre, y a pas de problème. Vas-y, on va faire ça. Oh oui. Oh mais t'inquiète pas, on est en route. Alcine, c'est reparti. Allez, accompagnez-moi. Allez, hop, c'est bon. Alors, par contre, je devais peut-être revoir mon animal, moi, parce que peut-être il a évolué. On a déjà un ours, donc je reprends une araignée. Mais ils ont dit que mon pet, il avait augmenté, non? Oh, c'est pas la même! Oh, c'est pas la même! Oh, elle brille, elle est jolie. Non, elle est pas très jolie, mais elle brille. Oh, c'est pas la même. Est-ce que mon piaf aussi, c'est pas la même? On garde le piaf? On garde le piaf, en vrai, c'est pratique. Oh, attends, mais... Ah oui, non, j'allais dire, l'autre, il est parti. Non, c'est vraiment le même piaf, inutile. Ok, c'est pas grave. On a un ours, une araignée, nous-mêmes. En termes de sort, après, on n'est pas trop mal, en vrai. Et du coup, alors, elle, il lui faut des pièces infernales. C'est ça qu'elle m'a dit. Tiens, prends ça. Prends ça. Et ça peut l'aider à dégommer plus d'ennemis. Mais quand tu veux, ma chère Carlac. Il n'y a pas de problème.
Ça va être parfait, hein. Bon appétit, Tia. C'est accompagné du stream parfait. Eh, hey, on est bien, là. Let's get going. Vous êtes prêts? Vous l'avez voulu? Ça va être le bordel? Soyez prêts? Oh là là. Allez, on y va. Allez. Oh putain. Ah bah oui. Ah bah oui, hein. Bah oui, oui, oui. Hein. De... Bah oui, il y en avait dehors, du coup. Ah, Micheline, tu es un peu bloquée. Alors attends, on va se déplacer. On va... Je propose qu'on garde la distance. Déjà, on va essayer de... Oh là 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 là. On va peut-être faire un F5 ici. Ça va être une bonne idée. Allez. Micheline, une femme nouvelle. Elle fait des coups critiques. Et maintenant, j'ai deux attaques. Regardez ça. Micheline a tué quelqu'un. Tour 1. Elle a tué quelqu'un, je suis émue. Elle fait tellement de progrès. Regardez, elle va même mettre une autre attaque là. Mais quelle femme! Oh là là, c'est oui, c'est oui. Qu'est-ce qu'elle fait, ma nouvelle araignée? Oui, cocon, vous plaît. Pardon, mais je découvre vraiment le gameplay pets. Je connais pas, donc je, je vais m'extasier. Mais c'est vrai que je suis de retour chez moi. Je vais pouvoir manger avec le live. Ah, bon appétit à ceux qui vont manger. On est ready là. On est complètement ready. Alors, le cocon. Le cocon, vous pigez une créature dans votre toile, elle crée un cocon autour d'elle. Sinon, la toile, ça peut les bloquer, ça a une chance. Et c'est hautement inflammable. Oh, attendez. Est-ce que je peux pas jouer, genre, le feu? De manière à ce que je mette le feu avec ça. Genre, je fais ça. Ils sont techniquement tous les deux dans la toile. Ok. Ah ouais, mais ils vont bouger, je pense. Dommage. Après, j'aurais mis du feu avec Astarion, par exemple, ou... Oh, lui il l'a fait. Lui il l'a fait. Ok, mais il a pas bougé par contre. Ça va frère? Putain, bah ouais, mais on est trop groupés. On est trop groupés. Faut se barrer, faut se barrer. Astarion, casse-toi. Casse-toi. Vas-y, enflamme-les maintenant. Mets le feu à ça là. C'est très décevant, Astarion, si tu veux. Mais ça avait dit que c'était hautement inflammable. Ah. C'est un échec, c'est un échec. C'est la gazard, elle grandit si vite, la petite araignée là. Ah bah là, je suis émue. Je suis émue. Salut Marc, comment on va? Bah c'est super, hein. Bah Astarion, ouais, vas-y, avance un peu. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas manger quelqu'un, là. Comme ça, tu vas prendre un bonus, ouais, voilà. Et ce sera déjà pas mal. Alcine, du coup, notre ours, là. Va tabasse, montre de quoi tu es capable. Merci Alcine! Ça valait le coup de te prendre dans mon équipe! Merde! Voilà! Merde! Ouais, ouais, ouais. Hein. Non, mais il a pas besoin de récupérer de la vie. Là. Par contre, si je saute, je peux les faire tomber, je crois, non? Pas du tout, hein. Vraiment pas. Bon, bah tant pis. Hein. Ça suffit. Oh là là, non, mais elle a déjà si mal. Attends. Il est temps d'utiliser l'un de nos nouveaux sorts, déjà, oui, je sais. Mot de guérison d'équipe. Voilà, Shadowheart, c'est parfait. Ne change rien. Et... J'aimerais bien essayer... Ah ouais, mais putain, mais si je fais ça, j'aurai Alcine. Là, j'ai pas Alcine. Terreur. Terreur, ça va me permettre de leur faire peur. Ils lâchent ceux qui tiennent en main, ils sont terrorisés. Du coup, si j'arrive à les terroriser, ils m'attaqueront plus. Oh, let's go! Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Parfait. Va te planquer par contre parce que toi tu es ma vie donc tu dois rester... tu es la vie littéralement vraiment d'ailleurs. Karlak, là il y a 3 gobelins pour l'instant. Peut-être pas utiliser tes trucs tout de suite. Oh là là, mais elle a pas besoin de ça, regardez là. Oh mais je... Il faut que je l'ai tout le temps dans mon équipe elle. Hein. Elle est trop bien, elle est trop bien, elle est trop bien, elle est trop bien. Et on va pas faire de... On va pas déclencher la rage pour 2 ennemis par contre, ça fait un peu chier. Micheline, c'est de nouveau ton moment. Bon, 1 sur 2, c'est pas mal. Elle a une deuxième chance maintenant. Oh, voilà! Voilà, Micheline! On se rattrape, on se met bien. L'araignée sort de là, toi aussi. Il y a la limite. Le cocon, c'est quand elle veut? Vas-y, bah cocon. Ah putain, faut être à côté. Ah, faut être à côté, merde. Est-ce que je peux sauter pour aller à côté de lui, genre? Il y a un espace là, il y a un monde où je peux. Là. Ah putain, la marche. Vas-y, coconne-le. Ok. Il est pris dans un cocon. Je vois pas trop le cocon, mais apparemment il est pris dans un cocon. Oui. Du coup, vas-y, Astarion. Contourne. Finis-le maintenant. Pouh. Ça s'est si bien passé. Ok, première phase, on est là.
On est là, on a pris un peu de dégâts, on va se faire un petit repos court, voilà, c'est rapide, c'est fait. Franchement, GG à tous. Ah, un peu de... Bon, il y a de l'or dans des tombes, oui, bon, bah, ils en ont plus besoin. Voilà. Bon, GG. Franchement, ça s'est bien passé. Mais il y avait 3 gobelins après, donc on va peut-être pas se réjouir trop vite non plus. Ils étaient 3, je veux dire, c'est... Ils étaient 3, on est vraiment 6, donc franchement, voilà. Par contre, mon piaf a pas survécu au voyage, réinvoque-le. Voilà. Le piaf, c'est quand même assez pratique, j'avoue. Où sont les ennemis, là? Là, je propose qu'on soit discret, là. On peut essayer d'être discret, ou est-ce que Alcine va vraiment foutre le bordel? Regardez-moi cette ours! Par contre, pourquoi est-ce que ma cam, elle suit pas, là? Ah oui. Ok, on est bon. Ok. On s'en sort pas si mal, hein. Ok, il y a... Arrêtez de bouger. Dégroupir. Non, groupissez-vous. Dégroupir. Astarion, t'as pas un truc pour être invisible, toi? Ah bah non. Ce que j'allais dire, est-ce qu'on essayerait... Oh là là. Ouais, bah de toute façon, on va falloir taper, hein. Ok, on va essayer de les positionner... Ouh, titoupou! On va essayer de les positionner, titoupou! Bon, vas-y, j'ai paniqué. Ok, vas-y, il est parti. Petite panique. Genre, lui, on le met là. Il a réussi sa cachette. C'est un professionnel. Non? Il m'a pas attaqué? Il m'attaque pas? Il s'en fout? Ah, peut-être le problème, c'est juste Alcine. Si j'avance pas avec Alcine, c'est bon. Ok. Alors, laisse l'ours en arrière. Laissons l'ours, Micheline. Parce que moi, j'ai observé quelque chose, le saviez-vous? Non, tu restes là, Alcine. Pas bouger. Pas bouger, Alcine, on t'a dit. Non, j'ai dit... Frérot, arrête de me suivre. Il va pas vouloir se désolariser... Hein? De solidariser de moi? Oh, il va pas vouloir. Oh, le con! Merdeux! Je voulais aller parler au... Bah, tant pis, hein. Est-ce qu'on a une potion pour parler aux animaux? On en a une. Alors, Astarion, vas-y. Je te missionne, Astarion. On y va. Il râle pas. Vous avez observé à l'aller, les avez-vous vus? Elles sont où? Putain, elles sont plus là. Oh, les connes, elles sont trop loin! Oh non! Oh, elle est trop loin! Je peux essayer de leur parler? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tour? Oh, maman, pitié qu'il se fasse pas attaquer, hein. Tu vas où, Astarion? Astarion? Tu vas où, frérot? Yes, my desire. Closer, my sweet. I will wrap you and bind you and bite you and eat you. Tout mon plan tombe à l'eau. Et Astray, on peut finir en croquette pour arrêter. Mais pourquoi? Mais je voulais leur parler pour négocier. Voilà, vous devriez plutôt manger un gobelin délicieux. Hein? Oh, elles sont terrifiantes. Pitié, me mange pas. Vas-y, Astray, on fait leur peur. Non, mais... Oh, oui. Allez manger du gobelin, là. Donnez-moi un coup de main, là. Delicious, I do not know. The cruel and sharp. Oh, elle fait peur. Yes, bindable, unwrappable, unbiteable. Yes, you must open the door. Ouais. Je dois ouvrir la porte. Et si j'ouvre la porte, putain, bah c'est super. Hein. Astarion est dans la cage. Faut que j'envoie quelqu'un d'autre ouvrir la porte. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. Tu peux crocheter après. Ok, alors attendez, par contre, parce que je suis en train de m'emballer. Attendez, avant de faire ça, faudrait quand même que je me positionne un peu. Ah, mais pourquoi on est dans un combat? Ah, mais on est dans un combat! Ah bah, ils ont trouvé l'ours, je crois. Ok, bon, bah, si le combat est commencé, bah tant pis. Du coup, Astarion, vas-y. Astarion, crochette ça. Comme ça, avec un peu de chance, les araignées rentrent dans le fight. Je vous fais ça, c'est fou. Il y a tellement de choses à faire. Allez-y! Allez manger du gobelin! Hop. Le repas est servi. Oui, ça c'était bien. Des bonnes petites araignées, ça. Oh putain, attendez, moi je vais essayer de... Voilà, de rejoindre...
Par contre, moi, on m'attaque pas. Vraiment, je compte pas comme dans le groupe, quoi. Je veux dire, Astarion exclu. C'est parfait, hein. Moi, ça me permet de rejoindre mes potes. Ah, voilà. Voilà. Je me disais aussi, c'est trop facile. Micheline ! Allez, va ta basse, là, maintenant. Ah, merde, j'aurais dû faire qu'une attaque. Ok. Putain, il y a un tambour. Je pète le tambour pour pas qu'il y ait de renfort. Voilà, pas de renfort. L'araignée, maille araignée du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sauter là. Salut Naïta, comment tu vas? Pourquoi quand j'arrive, il y a une énorme araignée? Elles sont avec nous! Je sais, c'est terrifiant, mais il fallait le faire pour nous aider parce que le chat a voulu que je me batte contre tout le camp! Du coup, j'essaye de trouver des solutions, voyez-vous, pour que ce soit. Voilà. Hein? Elle peut se cacher, mon araignée, aussi. D'accord. On va faire un ça, là, entoilement en bas, là, comme ils sont deux, à la limite. Ça peut être pas mal. On va essayer d'aller là. Hop. Défendre un peu Micheline. Carlac ! Ma chère Carlac, tu m'as dit que... On va les mettre là. Hop. Tu m'as dit que... si je te donnais ça, c'était chouette. Bon, après, là, on va d'abord déclencher sa rage, je pense. Après, ils sont loin, hein. Ils sont loin pour le moment, après. Vas-y! Bon, elle a pas crié. Elle a pas crié, très bien. Elle a crié plus. Ok, va jusque là. On y va. Et du coup, bon, on va faire un tir perforant, tant pis. Hein. J'aurais bien fait autre chose, mais... Faut mettre des dégâts. Une deuxième. Allez, hop, hop, hop. Let's go! Allez, un de moins. Shadowhearts, tu vas rester en retrait toi de toute façon parce que je voudrais pas que t'arrive des couilles, n'est-il pas? Par contre, est-ce qu'on tenterait pas? Ah merde, trop loin. Le feu a pris la... Elle a pris des dégâts de feu elle? Non, même pas. Trop loin, pas chouette. Grimpe là-dessus. Oh, elle fait pas d'effort. Elle a plus de mouvement. Fuck. Non. Elle a plus de mouvement. Elle fait pas d'effort. Oh. Oh, attends, je peux faire tomber ça. Bah, on le saura jamais. Hein. Alcine. L'ours, là. Merde. Une décision, quelque chose. Tu peux sauter si loin, là. Vas-y, saute. Va taper. Ouf, putain, il rigole. Par contre, il met des tatanes, il rigole pas. Ok. Pourquoi c'est leur tour et pas le tour de Astarion et des araignées, là? Ah, bonjour. Vous étiez si nombreux ici? Merde, j'aurais peut-être pas dû partir par là-bas. Ok. Allez, les araignées, ça tabasse. Voilà, c'est bien, ça. Ça, c'est des bonnes araignées. Nickel. On se fait défoncer. Je suis arachnophobe, on est là. Prenez sur vous, ça va bien se passer. On est ensemble, vous inquiétez pas. Si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. Astarion. Bah ouais, toi t'es un peu chiant du coup. Hein. On va sauter, on va se mettre là. On va venir savoir si on peut se mettre genre. Non, mais non, par contre, tu. Non, là tu vas pas me dire que tu peux pas juste marcher sur le banc, frère. Pas d'effort des fois, hein. Que ce soit clair entre nous, Astarion, tu fais pas d'effort. Bon, tant pis. On va lui mettre ça pour que son tir soit plus précis. Et hop. Non, c'est trop loin. C'est trop loin. Je peux avoir lui, là? Ouais, lui, c'est bon. Je peux le finir. Voilà, Terminado. Ça fait un peu chier pour un PV, mais bon, au moins, ça fait un gobelin en moins. Oh, elle est immense, par contre. Cette araignée. Un jour, je pourrais invoquer ça, moi aussi, là? Parce que mon araignée est déjà plus grande que la première. Hein. Elle a plus de PV, aussi. Hein. Aranea Major. Hein. Major, elle est. Ça rigole plus. Combien il a, lui? Vas-y, brûle-le, Micheline. Voilà. qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, mes chers? Je pourrais mettre une grêle d'épines. Vraiment les défoncer. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas vraiment ça, après. Hein. Je pense qu'on va plutôt faire ça. Voilà, une deuxième. Oh non, Micheline! Dommage. Ok, l'araignée, vas-y. Finis-le. Voilà, ça c'est fait. Putain, elle l'a empoisonné, c'est dommage.
Carlac. Ils sont où les méchants? Ils sont tous là-bas. Ils sont tous de l'autre côté. Putain, ils sont trop loin. Elle va pas... Ah si, elle peut, elle peut, elle peut. Vas-y, Carlac, va taper. Oh, vas-y. Oh là là, quelle femme. Ah, par contre, l'autre, je suis pas sûre que je pourrais... Ah non, dommage. Oh, il y a vraiment juste le gros cul de l'araignée devant, quoi. Du coup, c'est mort. Ah, pas bouger, hein. Ok, bon, c'est toujours ça de pris. Bah, Shadowhorse, du coup. Est-ce que je peux grimper sur la cette fois. Pour avoir une vision un peu globale. On n'a pas de problème de vie, pour l'instant. Je dirais que ça se passe plutôt bien. Mon chemin est interrompu ici. Je peux éventuellement envoyer ça là-bas, mais sinon ça va être trop loin. Hein. Ah là, il y en a un juste là. Je tente ça ou... Ouais, non, vas-y, c'est ça. Fais-le brûler. Bah, on repassera, écoute. Hein. Tiens, invoque ta hache là, que ça sert à quelque chose. Pour mettre des dégâts, bordel. Ah, merde, attends, j'aurais pas dû passer son tour. Ah si, parce que sa hache, dans tous les cas, elle aura pas son tour maintenant. Suivi des gobelins. Ouais, on se bat contre tout le monde de gré. C'est le chat qui l'a voulu. C'est vrai en plus. Lui, je le défonce là, vas-y. Voilà. Bon, il suffisait d'un coup de patte, mais écoute, on en a mis plusieurs. Parce que pourquoi pas. Avance-toi, Alcine. Nickel. C'est sympa, n'empêche, l'ours, hein. Il est efficace après, hein. Voilà. Oh putain, non, par contre, saute pas comme ça, frère, s'il te plaît. Et fais un petit effort, s'il te plaît, pour moi. Il y a du monde où encore? Tout le monde est de l'autre côté, là. J'ai l'impression. Hein. Est-ce que je peux d'ici bénéficier d'un avantage? Eh ben, je m'accroupis. Je m'accroupis et je peux pas. Il est trop loin. Ah, mais lui, par contre, il est pas trop loin, si. Oh, frère, t'es trop loin. Genre, j'ai pas d'avantage contre lui. Bah, merde, alors. Bah, tant pis. Tant pis, toujours ça de pris. Allez, on y va. Pas d'araignée qu'Harry Potter, la chambre de secret. C'est Harry Potter que je n'ai vu qu'une fois. Je comprends. Non, mais Harry Potter aussi, c'est terrifiant. Enfin, celui-là est terrifiant. J'avoue que la forêt pleine d'araignées, elle est angoissante de ouf. C'est comme dans... Je sais plus si c'est dans le Hobbit ou dans Bilbon. Ou dans les deux. Le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, pardon. Oui, bonjour, c'est quoi cette horrible chose à pattes? Ils se battent avec nous, elles, Séville. Elles sont avec nous. Je sais, je sais. Je sais. On prend sur nous. Elles nous aident, on en avait besoin. Le chat a voulu se battre. Alors nous nous battons. Ah, vas-y, avec le petit couteau, là, ce serait parfait. Oh non, dommage. Ouais. Vas-y. Hein. Ok, Micheline, pas mal. Pas mal, pas mal. Il y a encore quelqu'un, là? Ah, bah, il y a lui, là. Il va se battre avec moi, lui? Non, il est pas là. Il est pas dans le fight. Non, non, j'ai pas envie de le taper, même si lui m'a tapé. En vrai, ça me fait un peu de peine, le pauvre. Ok, vas-y, Micheline. Ah merde, j'irai pas plus loin. Là ça va être un peu compliqué, j'ai des avantages mais bon. Oh, elle a touché quand même, elle a touché en vrai. L'araignée, on va où? On va où? On va où? Bah je sais pas, hein. Ils sont où les autres? Ils sont là, là et là. Ils sont tous du même côté en fait. Donc éventuellement elle peut foncer l'araignée pour venir, je sais pas, soit là. Ouais, bien là. Hein. Puis quand les araignées se battent pour nous, ça m'horrifie. Ben on a négocié, c'est Astarion qui est parti négocier de manière très directe. Hein. Il s'est même mis en danger, le con. Mais les négociations ont réussi. Oh oui, Carlac, voilà, voilà. Allez, tu me tabasses le deuxième, là. Ça suffit maintenant. Voilà. Allez, donne-lui encore un petit coup, là. Il en veut encore. Voilà. Quelle femme, quelle femme, quelle femme. Shadowhorse, tu veux venir te battre, toi aussi? Ils sont où les connards là? Et après il y a celui là-bas. À la limite on peut essayer de se faire celui là-bas. Vas-y, envoie une boule de feu. Ça définitivement ça ne veut pas la boule de feu. Hein. Bon bah soigne Micheline. C'est trop loin. Eh bah merde. Voilà, tu me sers à quoi?
Peut-être un peu violent. Peut-être un peu. Ouh. Il met des patates, Alcine. Ah, elle dort, l'araignée, mais c'est pas le moment. Ce n'est point le moment de dormir. J'ai des avantages, c'est trop loin, j'aurais pas dû. Oh, c'est passé, c'est passé. Ok, on descend. Et bah le dernier, attends, parce que je peux peut-être l'atteindre avec Astarion, l'air de rien, et faire la... une petite dernière attaque, là. Vas-y, vas-y, Astarion, va taper. Bon, il y a un parasite dans le cadavre, tu devrais regarder de plus près. Dans quel cadavre, frérot? Il y en a 300 des cadavres, on les a tous dégommés. Oh, bravo. Hein. Le franchement, ça s'est giga bien passé. Ah, oui, non, pardon, il n'a pas l'air d'accord que je fouille dans les cadavres. Ah, oui, d'accord, ok. Casse pour moi, celui-là. Alors, bah écoutez, c'est un combat rudement mené, hein. Une bombe, super. Oui, oui, on est fatigué, nous aussi, Astarion. Ok, bon, y a rien de fou à récupérer, hein. Bâton rituel, faut que je trouve un cadavre dans lequel il y aurait un parasite, il a dit l'autre. Je vais quand même prendre en vrai, ce sera des trucs avant. Parce qu'à un moment, Michine elle va se trouver encombrée. Un parchemin d'humanoïde. Où est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Bah, il n'y a plus que là-bas devant lui là. Non? Va regarder ailleurs toi. Tiens, je vais aller lui parler. Je lui ai demandé s'il veut pas m'en... Voilà, mets-toi là. Parfait. Comme ça, il regarde pas. Il a l'air vraiment absorbé par moi. Hein. Oh, mais merde! Regarde-moi, toi, parle-moi. Vous avez déjà pris mon art, plus ce serait de la gourmandise. Ah. Je vais être obligé de le fumer, hein! Bah tant pis hein. Vous savez quoi? Parce que ça me fait un peu de peine pour lui, on va mettre que on peut pas le tuer. Je mets le passif. On va juste l'assommer fort fort. Bon qu'il me casse pas les couilles. Le pauvre. Ah, tu m'as fouetté le cucu. Bah voilà, tiens, vengeance. Tu l'as senti la douleur là? Putain, ça va même pas être là. Mais merde! C'est où qu'il y a un parasite? Ils ont dit qu'il y avait un parasite quelque part. Bah oupsie, je l'ai peut-être assommé pour rien. Ok, bon vas-y. Là il y a des cadavres ou pas? Là il n'y a pas de cadavres. Merde. Ok. Derrière, nana. Mais il me semblait que c'était... Ah, ah, oupsia, à m'éveiller, ça doit être ça. C'est celui-là, là? C'est pas récupéré? Ah oui, tout à fait. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Une potion, ça se prend, on a un bouclier, on a un nouveau talisman. Porteur, nanana, je bénéficie de aide niveau 2. Ok, il y a une petite note. Qu'est-ce qu'elle dit, la note? Zachary, comment tu vas? Tu manquais des événements décisifs? On a trouvé Alcine, qui est notre docteur. Et qui peut se changer en ours parce que c'est un druide. Et du coup, il a dit qu'il nous aiderait à aller apparemment jusqu'à une région où justement les cultistes capturent des gens, les emmènent là-bas et en font des âmes éveillées. Donc il soupçonne que la base, c'est là-bas. Et, mais avant ça, il faut qu'on l'aide à, pour le bosquet du coup. Donc on l'aide à dégommer les gobelins. Pour que du coup, pour que le bosquet soit safe. Du coup, on est en train de tout péter les gobelins. Cette saleté de druide qui fouinait dans les parages a tout sauf un simple pierre de tombe. Alcine qu'il s'appelle, un nom aussi moche que sa tronche. J'ai pu causer un peu avec lui avant que les gardes churnes bouclent sa carcasse dans les enclos. Il raconte qu'il a un truc pourri en nous et même en moi, il croit qu'il peut nous aider à nous en débarrasser. J'ai dit qu'on n'a jamais eu besoin de personne et surtout pas maintenant que l'absolu en pince pour nous. C'est plutôt lui qui va bientôt pourrir de l'intérieur, c'est pas la barbaque avariée qui manque dans les enclos. Et quand on lui ouvrira le bide, je ferai en sorte qu'il survive assez longtemps pour voir les asticots lui bouffer les tripes. Eh bah c'était une charmante personne hein. This one is a true soul parasite. It can enhance you. Il peut me rendre puissant. You can absorb its potential. Open your mind to it. You already know how.
La voix dans ma tête me dit d'absorber un parasite. Soi-disant pour devenir plus forte. Que faites-vous, les Michel? Je vous laisse choisir. Encore une fois, comme évidemment j'ai déjà fait les choses, les choix que je connais, les impacts qui sont vraiment impacts, eh bien je vous les laisse. Je vous les laisse, bien sûr. Faites l'aventure de Micheline. Qu'est-ce qu'elle ferait, Micheline? Qu'ai-je manqué? Ça dépend depuis combien de temps t'es parti, Faël. On a fait un gigafight. On les a dégommés avec l'aide de quelques araignées, d'ailleurs. ouais, hein. On ouvre notre esprit à la larve? Ok, hein. Je vous suis. Your mind swells as it subsumes everything the tadpole has to offer. Everything it was and everything it was destined to be. Pure potential. You have grown your power and improved your chances of survival. Micheline surpuissante? Et du coup, en faisant ça, nous avons ceci, bien sûr. J'ai enlevé le passif, là? Oui, j'ai enlevé. Hop, retourne à ça. Le pouvoir, mes chers Michel, évidemment. Nous avons donc ceci. Oh là là. Bienvenue dans le cerveau de Micheline. Salut Fen, ça va et toi, comment tu vas? Juste avant que t'affrontes tout le monde, bah on a eu tout le fight, du coup Faël, on est parti. On s'est retrouvé dans une grande salle et on a réussi un bon fight contre plein de gens. On a demandé à des araignées qui étaient dans le coin de nous donner un coup de main et franchement ça s'est plutôt bien passé. Voilà le cerveau de Micheline. Et ça c'est le nombre de larves que nous avons et dont nous pouvons absorber le potentiel pour que Micheline devienne plus forte. Vous avez absorbé le potentiel, du coup je pars du principe que vous êtes d'accord. Surcharge psionique, ça va nous débloquer des nouvelles capacités, voyez-vous. Par exemple, des charges concentrées. 6 à 36 points de dégâts. Vous devez vous concentrer sur un autre sort pour pouvoir lancer celui-ci. Tunnel de force, ça veut dire que je peux tabasser des gens. Mais moi, je voudrais aller chercher ça. Voilà, donc premier jet d'attaque ou test que vous effectuez contre une cible, quelle qu'elle soit, bénéficie d'un bonus égal à votre bonus de maîtrise. Parce que j'en ai marre, déjà, que Micheline n'arrête pas de rater ses premières attaques. Donc maintenant, Micheline, elle va faire un effort. Ensuite, chance des royaumes lointains. Une fois entre deux longs repos, lorsque vous réussissez un jet d'attaque contre un adversaire, vous pouvez le transformer en coup critique. Voilà. Évidemment. Les coups critiques, c'est oui. Et alors, vous savez ce qui est intéressant? C'est qu'on peut évidemment donner du pouvoir à Micheline. Mais on peut aussi donner du pouvoir à Astarion. À Carla qu'on peut pas, parce qu'elle hésite. Il faut qu'on discute avec elle. Et Ombrecoeur ne veut pas non plus, elle hésite pour l'instant. Mais Astarion, lui, il est partant. Aussi, bien sûr. Donc, je propose qu'on lui en mette un aussi. Parce qu'il m'a pas l'air d'être contre le pouvoir, le petit Astarion. Hein. Let's go. Voilà, c'est une nouvelle interface. Du coup, maintenant, on a un nouveau bonus qui va nous permettre de faire des dégâts pas mal. Astarion adore le pouvoir. Bah Astarion, ouais, hein, je pense pas qu'il soit contre un... Oh, bah voilà. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, calmez-vous. Arrêtez de bouger. Qu'est-ce que tu veux, Astarion? You've indulged. Just helped yourself to a little more power. La puissance! And there évidemment. Isn't a tentacle to be seen. Not a bad deal, I'd c'est vrai, say. Ça se passe bien. My only complaint is that you're vous savez. I wouldn't mind indulging myself. Mais si, je t'en ai donné un. Arrête, tu dis n'importe quoi. Évidemment. J'étais pas certaine que vous seriez partant. Ces parasites sont rares et ils sont à moi. Une autre fois, peut-être. Bon, elle dira une autre fois, mais je t'en ai donné un, bro. Mais oui, t'inquiète pas, je t'en ai déjà donné un. Oh là là, mais quel râleur celui-là, je vous jure. Pourquoi mon araignée est pas avec moi, là? Viens ici. Viens ici. Hop. On y va. Eh bien, du coup, faut qu'on explore un petit peu et qu'on trouve les autres personnes. Parce que je crois qu'on a dégommé la première personne que Alcine voulait qu'on dégomme. Du coup, bah, reste à voir la suite. Hein. Là, il y avait l'air d'avoir beaucoup de monde. Il y a du monde ici. Et après, il y avait du monde... Attends, putain, merde, on n'est pas gros pire. Venez avec moi, là. Venez avec moi, s'il vous plaît. Oh, ça me dégoûte, terrifie. Ah, cette araignée, là? Oui, je comprends.
On va peut-être se faire un peu discret. Oh putain, bah oui, on va peut-être se faire un peu discret. C'est quoi ça? Oh bah bonjour vous. Parce que le problème c'est que du coup comme Alcine est là, bah c'est forcément agressif de toute façon. Elle a raté sa cache. Elle est en fight? Ah non, elle est pas en fight. Oh merde, j'ai pas eu le temps. Dommage. Non. Oh non, on n'est pas en fight avec ceux qui sont là-bas, on est en fight qu'avec ces deux-là. Oh, j'arrive à les fumer avant que. Micheline, tu vas le pousser. Pousse-le, vas-y. Vas-y, au revoir. Oh, dommage. Non. Pas comme ça, Michel. Vas-y, attends. Carlac, les muscles. Attends, toi défonce ce truc-là. Comment ça, insuffisante? Mais on est juste devant, frère. Fais un effort. Bah oui, tape-le là plutôt, non? Voilà. Ok, tape-le. Nickel. Ça au moins. Super. Shadowheart, est-ce que tu as la force de le pousser, lui? Tu peux le pousser ou pas? Ah merde. Putain, on peut pas. On n'est pas dans une bonne posture. C'est pas grave, on va le taper, on va le défoncer. On va le défoncer. Ok, vas-y, Micheline. Micheline, pourquoi t'as pas de... Mais... Où est ton épée, Micheline? Ah voilà, merci. Voilà. Voilà chance des royaumes lointains qui me propose, qui me permet du coup de faire un coup critique d'office. Ce qui est très chouette. Mais pourquoi j'ai plus mon attaque d'épée simple là? Il est fini lui. De toute façon j'ai plus de... Bizarre cette histoire. On va pas lui laisser... Ils sont en train vraiment de taper leur meilleur... Ah, Ombrecoeur, fais un effort, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, soigne Micheline. Astarion, c'est ton moment. Vas-y, défonce-le. Remets-toi... Remets-moi ça, là. Ouais, voilà. Hop. Si on peut, on va faire ça. Vas-y. Non, venez là. Je voudrais de la discrétion. C'est possible, non? Alcine, restez ici. Oui, bah je sais. Et tu crois que je fais quoi, là? Attends ici. C'est l'ours le plus vénère que j'ai jamais rencontré. Ok, venez avec moi. Je peux discuter ou pas, là? Y a un tam-tam à détruire, là. Faut qu'on se mette assez proche du tam-tam. Ils sont deux, hein. Parce que elle, c'est l'un des chefs qu'il faut dégommer. On va lui parler. On va dégommer. Your scouting party has not returned, and half of the intruders escaped your guards. Ouh, bonjour. Sorry, mistress. We mucked up. Until their sanctuary is found, I will take something precious from you. Every hour that ah bah ça a pas l'air d'être une charmante personne, non. J'ai pour les level up les Michel. Alors je parlais de la vie du cerveau. Ah, je croyais que je parlais des araignées. Ain't no use without my limbs. The lad will make the prisoner squeal soon enough. Salut Dario, Sven, comment on va? DS2, je tombe direct sur toi qui se larve, tout se passe bien ce soir. Tout va bien. Aïe. Mais il voit l'histoire. Bravo, Fen, bravo. Ça a été la journée en fait. Caressing your brain. The chamber melts away to reveal a dark, endless nowhere. In it you see a vision. The drow listens as a pale-eyed young woman whispers in her ear. One of those the voice spoke of. One of the chosen. The vision fades away. A true soul? Praise be. Are you here to join my hunt? Hein? J'ai affaire à Outlet, êtes-vous en mesure de me garantir un voyage en toute sécurité? Une traque qui en est la cible, j'ai des affaires personnelles à régler. Comment savez-vous que je suis une âme éveillée? Je suis en chasse, moi aussi, vous êtes ma proie. Vous êtes ma proie! Je dois vous tuer! Qui en est la cible? Par contre, attendez, Ouais. Elle prépare quoi, là? Qu'on sache un peu ce qu'elle prépare. Qui en est la cible? Of a false god. Their existence is an insult to the Absolute's claim on this region. There is a weapon the Absolute seeks.
I'm sure those wretches have it hidden away. Oula, 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 oula. We will find it amongst the dead and the ashes. Her excitement is palpable. She lingers on thoughts of victory, of unbelievers' blood spilled, and of the weapon. She will seize it in the Absolute's name. You feel Shadowheart's anxiety. Bah oui, bah oui. The Absolute seizes. Oh non, my love! My love. T'inquiète pas. Ouais. Tout le monde veut ce truc, hein. Les Geek Yankees veulent ce truc, les fanatiques veulent ce truc. T'inquiète, j'assure tes arrières. Non. Resilient, but he'll talk. Bon, Already you feel her. Elle cherche le bosquet où il y a mes tiflins, tu veux dire? Je la détruis. Ce serait bon de prévenir les tiflins. Avec leur aide, vous pourrez les submerger sous le nombre, elle et sa bande. La mener jusqu'aux tiflins condamnerait sans doute ces derniers, mais d'un autre côté, ça vous permettrait de gagner sa confiance. Il est peut-être possible de la mettre sur une fausse piste, pardon, ou de la tuer. Il est énervé, mais cache un cœur tombe. Je lui dis, c'est un tépage pousse de gros coup. Pour la ramener sur le chemin des bisounours. You can try. C'est la première fois qu'on voit la dame ou il y a déjà un antécédent avec elle? C'est la première fois qu'on voit la dame. Peut-être possible de la mettre sur une. Vous êtes plus sur la mettre sur une fausse piste ou la tuer, hein? Ouais. Vas-y, hein. Speak, true soul. The hunt must begin soon. Ok. Vas-y. Je sais me montrer persuasive. Je vais aller le voir, votre prisonnier. Pas besoin du prisonnier, je connais déjà l'endroit que vous cherchez. Ma traque s'achève ici, ma proie, c'est vous. Faut qu'on la fume, hein. Elle a que des ambitions mauvaises pour tout ce qu'on aime, là. Et Alcine, il nous a dit de la tuer, hein. Et Alcine, je vais aller le voir, votre prisonnier. Mais est-ce qu'elle parle pas du prisonnier qu'on a vu? Bah ouais, hein. Aïe aïe aïe, les Michel! On la tue, hein. Elle menace le bosquet, les tiflins. Micheline, je pense que là, elle la tue, hein. Faut penser Micheline, les Michel. Pensez Micheline. Ne pensez pas avec votre. Ne penchez pas comme vous. Pensez avec Micheline. Moi, je pense que Micheline, elle trucide, là. Hein. Elle menace encore les tiflins, tout ça. Alcine, il veut qu'on la dégomme. Et Alcine, il peut nous aider pour notre problème de larve. Voilà. Hein. Elle veut torturer et tuer je sais pas qui pour savoir ce qu'elle veut et obtenir tout ce qu'elle veut. Elle a pas l'air très sympa, la dame. Amsramgram, pipi, collégam, boratatam, amsramgram. Ouais, bah ouais, Micheline, elle la trucide. Hein. C'est l'heure. You would dare. Guards to me. C'est un 50-50, évidemment. Vas-y, Micheline, là. Pourquoi est-ce que j'ai plus... Qu'est-ce que j'ai branlé? Pourquoi j'ai plus mon icône d'épée, là? Qu'est-ce que j'ai foutu? Mais enfin... You know... Qu'avons-nous fait? J'ai mes épées quand même. Bon, on va faire comme ça, c'est pas grave. Je m'en ai. Retabasse! Par contre, ah oui, 52 PV quand même. Est-ce qu'on reculerait pas un peu là? L'araignée? Va faire un cocon là. Tu peux venir ici et faire un cocon? Elle me fait peur, cette araignée, mais on y va. Vas-y, cocon là. Ah, let's go. On pourra pas faire le malin comme ça. Hein. Vas-y, barre-toi maintenant. Fais de la place pour les autres. Lui, il peut bouger, lui peut bouger. Voilà, Micheline. Ok, à mon tour. My turn. Elle est dans son cocon, donc en vrai, tant qu'elle est là-dedans, elle me fera pas chier. Donc, vas-y, tabasse-le lui, hein. Je m'ai interrompu, merde. Tabasse! Ah voilà, ça s'est réglé finalement. Hein. Ça s'est réglé très vite. Astarion! C'est un moment. Voilà! Hop!
Faudrait... Ah merde, par contre ça a détruit le cocon. Bah oui, forcément. Ah merde, j'aurais pas dû... Non. Bonjour. Vas-y. Oh oui, la mort. Putain, elle lui a mis 15 PV l'araignée. Et l'araignée, elle rigole zéro. Alors que Carlac a fait un échec critique. Dommage. Vas-y, pousse là. Oh, est-ce que je peux pas essayer de me mettre là et de la pousser genre fort? Non, dommage. Dommage. Aucun regret, de toute façon elle avait résisté. Je ne sais pas où sont passées mes attaques d'épée, mais c'est pas grave, on y va! Voilà Micheline! Encore! Allez hop hop hop, la deuxième, vas-y. On peut récupérer un parasite et du pouvoir, moi! Super! Qu'est-ce qu'on a? Ouh! On a pas mal de choses, on ramasse tout. Ah, pardon madame. Mais, oh là, madame, pardon. Mes excuses bien sûr. Hein. On a récupéré, hop, super, let's go. On va aller chercher Alcine finalement, non? Je vais chercher juste la petite pauvre qui est là. Ils sont fatigués là? Mais non, on n'est pas fatigués. Attends. Du coup, j'ai une nouvelle larve. On va la donner à Astarion, celle-là. Pour que lui aussi ait le coup critique obligatoire, là. Parce que ça peut vraiment, mais vraiment nous mettre bien. Hop là. On va garder ça, je pense. Alcine, tu reviens avec moi, bébou? Nature's blessings. On y va? Tu as piqué ses vêtements? Je crois que je lui ai tout pris, là. Aïe. J'espère que ça se passera bien. Je lis vite fait du coup sur le chat à Dario, mais j'espère que ça se passera bien pour toi. Des fois, il vaut mieux quitter son taf si jamais les choses se passent pas bien. Et... Je suis certaine que ça n'ira que mieux. Hein. Suivez-moi, Alcine. On est reparti. À gros gros. Eh, ça fait déjà deux, hein. Il reste une personne du coup. On va peut-être se remettre ça vite fait. J'ai toujours mon araignée, j'ai plus mon corbeau là, il s'est encore fait avoir. Mon corbeau. Astarion. Attends, je vais quand même faire un état là sur ce que j'ai ramassé là. On va quand même ramasser pas mal de petits trucs. Est-ce qu'on se ferait pas un petit tri par type? Voilà, bon, j'ai des armes, j'ai des machins. On a un bouclier, mais il sera pas mieux que celui qu'on a, je pense. On a une nouvelle armure. Une armure légère en plus. Alors Micheline elle porte de l'intermédiaire et ça c'est une armure légère en 12. Avantage sur les jets de sauvegarde de constitution et discrétion. Et lui qu'est-ce qu'il a? Rembourrage en point de dégâts contre tout temps au moins. Ouais. Bon ça lui va pas des masses mais mais bon. Qu'est-ce qu'on a? Lorsque le porteur se tient dans de l'eau, il se retrouve électrifié. Ah, si le porteur recommence son tour sur une surface électrifiée, il gagne 3 charges de foudre. Qui c'est qui a pas de chaussures là? Tiens, là t'as pas de chaussures. Tiens, prends des chaussures. Là, athlétisme, nanana, c'est lancer un sort nécessaire en concentration. Ah non, bah non, toi tu lances des sorts. Prends ça plutôt. Toi, prends ça. Ensuite, on a un autre bouclier, niveau 2. Il fait quoi moi celui-là? C'est juste un jet de sauvegarde en plus quoi. Ah, si j'espère. Mais oui, ça va bien se passer, ça va bien se passer. En tout cas, je t'envoie plein de bonnes ondes. Lâchez rien et ouais, restez pas de manière générale les Michel dans des trucs qui vous rendent pas forcément bien vraiment. C'est important et c'est essentiel de vraiment de partir, de penser à son bien-être tout simplement. Merci Dario de Sans, adorable, merci beaucoup pour ton sub, merci énormément. Mais prends soin de toi avant tout, je pense que t'as bien assez de choses à penser pour ça. Mais merci énormément pour ton soutien, ça fait plaisir, merci beaucoup. Mais j'espère en tout cas que tout se passera bien pour toi. Mais en tout cas, si tu te sens pas bien actuellement dans ton taf, je pense que ça ne peut qu'être mieux. On a un nouveau pyjama, faudra qu'on l'essaye. On a aussi récupéré une lyre. Magnifique. Parce que rappelons-nous quand même que Micheline est une barde. Hein. Faut pas oublier, Micheline est une barde. Une barde solide. Une barde présente. Elle est là. C'est Micheline. Et on a un médaillon. Si le porteur de la marque, il bénéficie d'un avantage sur les jets de sauvegarde contre la mort. Si le porteur a la marque de l'absolu. On n'a pas la marque de l'absolu, nous, je crois. Hein. Il me semble que c'est un truc à faire avec la prêtresse, mais du coup, on m'a tué. Donc, rip l'amulette.
Dommage. Aïe, 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 aïe. Ça va, Antares, quoi de beau. Et j'ai pour les level up, évidemment, j'ai loupé Looms, Ewura, Cool Anakin, Winnie, Sawitus. Merci beaucoup pour votre présence. Bah écoutez, on continue. On continue, on continue. Y'a quoi, là? Bah là, y'a du monde, là. Là, je crois, y'a du people. Oh, y'a quand même beaucoup de monde, là. Ouais, ouais, ouais. Ouh là là, oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Et ben, en vrai, YouTube, la prochaine fois, hein, on les défonce. On continue de les défoncer. J'espère que ça vous aura plu aujourd'hui. Ce passage tout en discrétion, finalement. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, évidemment. Des bisous.